Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur les Sims 4 saison 3. Cette fois-ci c'est l'épisode spécial numéro 2, encore une fois sur les mini-maisons, pour cette fois-ci faire le jardin. Alors j'ai une idée assez sympathique, enfin, vous allez voir si ça vous intéresse. En tout cas, je vais vous la montrer. Voilà. Alors, vous allez vous dire qu'est-ce que je vais faire, pourquoi je creuse un trou ici. Voilà, vous allez comprendre. Non, c'est pas ça, non. Je pense que là, vous avez même déjà compris. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Hop, toujours le même. Non, qui baisse, vas-y. Comme ça. Quand même, hein, de pas faire bêtises. Voilà, bon, on va dire que c'est bon. Et là on met la piscine, pareil que l'autre, hein. Voilà, franchement moi je trouve ça vraiment vachement beau. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas moi je trouve ça très beau, très très beau. Et on va mettre aussi des arroseurs. Des arroseurs pour faire bien joli, tout ça, tout ça. Non, c'est bug. Ça veut pas? Ah, bon. Ceux-là, on peut les mettre que dans les fontaines. Il y en a normalement qu'on peut mettre sans fontaine. Attends. C'est bizarre, ça. Normalement, il y en a forcément qu'on peut mettre sans fontaine. C'est bizarre, décoration de fontaine. Non. C'est bizarre ça. Attendez, piscine. Déjà, on va changer le style d'eau. Bon, on va faire en rouge comme ça, c'est joli, je trouve. Franchement, je sais pas trop. Oh, je sais plus du tout. Normalement on peut mettre des arroseurs autre part que dans les fontaines. Enfin, je crois. Ben je comprends pas là. Franchement. Bon c'est pas grave. Tant pis, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Je sais ce qu'on va faire à côté. J'ai une idée assez sympathique. Ce serait de mettre des genres de petits buissons. Je sais pas ce que vous en pensez, regardez. Franchement, ça pète la classe, non? Ah mince, j'arrive pas. Attendez, déjà, je vais mettre le code bébé move object bébé move
Object on. Voilà. Parfait. Comme ça, je vais pouvoir mettre des objets partout. C'était où déjà? C'était là, hein. Ouais, c'est ça. Oui, c'était là. Il est où le truc que je veux? Voilà. Parfait, regardez, franchement, et... Attendez, ah, par contre, là, ouais, non. Faut que qu'il soit parfaitement... tu vas te mettre... Vas-y. Il veut pas. Il veut pas, c'est chiant. Attends. Déjà, on va en mettre un ici. Voilà. Voilà. Et un ici, mais là c'est chiant, ça veut pas. Je sais pas trop qu'est-ce que je peux faire là. Franchement. Attends, au pire et. Attends. Oui. Celui-là on va l'enlever. On va remettre un autre. Voilà. On reprend. Non, non, pas ça. Ici. Voilà. Franchement, c'est parfait. Et on fait pareil de l'autre côté, du coup. Moi, je trouve ça magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça vraiment très, très beau. Ça fait un peu moderne, tout ça. Ça fait très joli. Bon, j'avoue que ça fait pas très maison de pauvre, vu que bon, le style de mini-maison c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas d'argent. Enfin, ça dépend après, hein, ça dépend. Il y en a qui préfèrent avoir. Il y en a qui sont assez riches et ils préfèrent avoir une mini-maison parce qu'ils sont tout seuls, ils ont pas que ça à faire d'avoir une grande maison énorme quoi. Voilà. Donc, c'est bon pour ça. Non. Outils de terrain. Outil peinture. Là je vais mettre des pierres du coup. Des pierres, mais lesquelles par contre? Ceux-là. C'est bien. Non attends. On va mettre un carré. Voilà. Ouais, par contre c'est pas pratique. Ce qui est pas pratique, c'est que j'ai peur de pas faire droit. Alors on va faire comme ça. Le plus lentement possible. J'ai vraiment pas envie de me rater, j'ai envie que ça soit magnifiquement bien fait quoi. Regardez, franchement, c'est pas aussi magnifique tout ça. Voilà, franchement, et ça a de la gueule, ça a de la gueule, franchement. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut mettre maintenant? Bah, d'autres petites vergetures, pourquoi pas. Genre un arbre derrière, bon, pas trop gros non plus quoi. Un petit arbre sympathique. Ah, j'aime bien ces petits arbres là en plus. Merde, non merde, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ah non, pas du tout non. Un arbre qui transperce un autre, c'est pas du tout mon style. La gueule. Oh, voilà la gueule du machin. Vas-y. Hein. Voilà. On met juste deux. Deux, c'est bien. Et on va mettre un peu des jeux d'extérieur. Voilà. On sait jamais s'il y a des... Un barbecue. Ouh, j'avais oublié ce truc-là. Ce petit détail. Vas-y. Hein. J'avais oublié ce petit détail du barbecue. Hop. On met meuble d'extérieur évidemment. Vas-y. Hein. Ça déconne des fois, c'est un peu chiant. Je sais pas si hein, un truc avec le pack mini-maison. Non, pas du tout. Bon bah on va prendre ceux de ambiance spatiaux que je trouve vachement magnifique. Franchement. Les meubles là de ambiance spatiaux comme ça, là j'y trouve franchement super beau. Dites-moi ce que vous en pensez, moi franchement je les trouve magnifiques. Voilà. Et on va mettre une table autour, hein, pourquoi pas. Il y en
Normalement, il y a une assez grande table, normalement, si j'ai pas de bêtises. De ambiance patio. Celle-là pourrait être parfaite. Ah non, non, trop grand. Trop grand. Celle-là, oui. Ah là, oui. Parfait. Pourquoi pas une chaise aussi? Oh, des transats. Des transats, intéressant. On va en mettre deux. Voilà. Je voulais quoi déjà? La chaise, ouais. La chaise qu'on va mettre là. Voilà. Activité extérieure. Sachet d'herbe, achat. Bon. Plantes saisonnières d'été, plantes saisonnières d'automne, plantes saisonnières d'hiver et de printemps. Ouais. C'est pas vraiment ce que je veux. Hein. Tiens, on va mettre ça là déjà. Pour s'ils veulent faire le ménage, tout ça. On va le mettre par là plutôt. Voilà. Pourquoi pas une petite piscine, ouais. Une petite piscine, ça pourrait être sympa. Une corde à linge, évidemment. Hein, si on met... machin pour laver les vêtements. Enfin, j'ai oublié le nom, mais bon, bref. Si on met ça, faut mettre obligatoirement une corde à linge. Alors, du coup, on peut mettre quoi d'autre? Je sais pas, moi. Ouais, bah je pense qu'on aura fait tout le tour hein, après. Hein. C'est pas. Ouais. Ah oui, une poubelle et boîte aux lettres aussi, faut pas oublier ça. Déjà la boîte aux lettres. Heureusement que c'est gratos hein, quand même les boîtes aux lettres. Vous imaginez sinon. Boîte aux lettres payante, mais vous imaginez. Pour les poubelles, c'est payant. Attends, c'est normal. Et là, on met une poubelle, du coup, on va la mettre juste là. Voilà. Parfait. Bah, c'est parfait. Du coup, les grillages. Enfin, les. Vous m'avez compris. Attendez. Déjà, on va changer de place ça. Ça, on va plutôt le mettre à côté du. La baignoire, tout ça. Voilà. La clôture, c'est ça que je voulais dire. La clôture, faut la faire du coup. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme clôture? Clôture assez sympatoche. avec mini-maison, je ne pense pas qu'on en ait. Non. Non, il n'y en a pas. Bah, celle-là, elle est bien, je trouve. Quoi? Attends, je croyais que Move Object, il... Oh, bah non, triste. Finalement, je sais pas si on va en mettre. Ah, c'est con ça. Dommage. Dommage que bébé Move Object il fait pas ça. Ah, dommage. Dommage. Tant pis, bah, je crois qu'on va pas mettre de barrière. C'est dommage, hein, mais bon. Bon, après, c'est pas grave. Hein, c'est pas. Bon, il y a risque de vol, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Franchement, je la trouve magnifique la maison. On va mettre un peu de verdure quand même parce que bon là le là, c'est pas très des rochers ouais des petits rochers tout ça un peu partout. Oh attendez. Non non. Hop. On met un peu des rochers partout. Regardez franchement, moi je trouve ça très beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, ça fait très joli je trouve. Du coup des fleurs aussi, parce qu'il faut un peu de fleurs quand même. Quand même un petit peu de fleurs, ça fait du bien. Ah ouais, ça c'est bien ça, c'est beau. Oh.
Voilà. On va mettre un peu de... On va en mettre un peu partout, quoi. Ah, je sais pas, je trouve pas ça très beau, les gros trucs comme ça. Ça, par contre, ça va. Ça, ouais, ça, c'est joli, ça. Ça, c'est joli. C'est quoi, ça, c'est... Oh, ouais. On va en mettre un peu là. Ça c'est... Bon, non. Ça non. Et ça c'est quoi? Ouais. Non, en fait c'est vraiment ceux-là qui sont assez intéressants. Remets de toutes les couleurs, tiens. Puis de cela aussi évidemment. Ah, cela par contre j'ai qu'une couleur. Bon, c'est pas grave. Voilà. C'est pas franchement, c'est pas magnifique. Je trouve ça très beau, très très beau. Franchement, je pense que. Attendez, non. Attendez. Avant, on va mettre un peu de peinture. Non, pas de la terre. Un peu de fleurs partout. Genre un peu vers là, là. Ça c'est chiant parce que c'est pas pratique ce truc-là. C'est chaud à faire, hein. Je vais pas vous mentir que c'est un peu la galère. Même là du coup. Non mais l'arbre tu me gênes. Voilà. On va s'arrêter là du coup. Comme ça. Vas-y, on va mettre là aussi. On va en mettre là aussi. Y a jamais assez de verdure. Ah, en fait j'ai envie d'en mettre partout. Je vais pas vous mentir, j'ai envie d'en mettre partout. Je crois que c'est ce que je vais faire, hein. Enfin, faut vraiment que je fasse attention par contre. Parce que c'est chaud, mais c'est vraiment chaud à faire ce truc là, c'est vraiment très chiant. Hop. Voilà. Oh, mais non. J'arrive pas. Voilà. Ici, du coup, maintenant. C'est un peu chiant quand ça bouge un peu dans tous les sens. C'est chiant, ça bouge dans tous les sens aussi. C'est le défaut du truc. Voilà. J'en mets partout, hein, je vous le dis. Des fleurs, il n'y en a jamais assez. Franchement, c'est vraiment magnifique. Magnifique. Et le mot est faible. Voilà les amis. Oula, par contre, j'avais pas remarqué ça. C'est pas très grave. Bon voilà les amis, du coup notre maison est terminée. Oula, où ça lag. Notre maison est terminée sur les Sims 4, mini maison, tout ça. Je vais la mettre de suite dans la galerie avant de se quitter, sauvegarder le terrain. Alors comment je vais l'appeler, je sais pas. Mini maison. On va l'appeler déjà mini maison, ouais. Mini maison.
Newcrest, bon, voilà, je sais pas comment l'appeler, du coup je l'appelle mini-maison Newcrest. Voilà, elle s'appellera comme ça, si vous voulez la trouver. Je vais vous donner d'ailleurs mon... Voilà, partager dans la galerie directe tout de suite. Je vais vous donner mon nom dans le... Dans la galerie, comment je m'appelle. Alors, on va voir la galerie tout de suite. Alors, profil. Moi, mon compte, du coup, c'est Lucky et moi, ou alors JT Gaming 160. Ça doit être l'un des deux, quoi. Essayez l'un des deux. Je pense que c'est JT Gaming 160, mais je sais pas trop. J'ai un petit doute quand même. Du coup, voilà. Bon, là, il y a déjà Oula. Oula, il y a un bug. Ah non, c'était pas ça, bon, tant pis. Hein ? Oula. Ah, j'ai mis plusieurs trucs dans la galerie, c'est pour ça. Ah oui, je comprends mieux. Ouais, du coup, il y a cette version-là de la maison, la mini-maison sans le jardin. Et du coup, il y a cette version-là avec le jardin. D'ailleurs, je vous conseille d'ailleurs celle avec le jardin, hein, évidemment. Et j'ai aussi cette mini-maison-là, là. Que j'ai fait, bon, pas en vidéo, mais que je trouve quand même magnifique. Je l'ai fait tout seul aussi. Je la trouve aussi très belle. Voilà, n'hésitez pas à la prendre aussi, pourquoi pas. Hein. Du coup, celle-là utilise les packs. Les packs saison. Heure de gloire, restaurant, évidemment mini maison et ambiance patio. Là, on a... Ah, on a plus de kits par contre, là. Là, on a les Sims 4 heures de gloire, saison, au travail, au restaurant, mini maison, jour de lessive, jardin romantique et ambiance patio. Voilà. Après, j'ai aussi ça, si vous voulez. Voilà. C'est des maisons mitoyennes, en fait. Voilà. Que je trouve assez sympa aussi. Bon, ça c'est la maison qu'on vous a parlé là dans le manoir de Ballymoon là. La maison qu'on vous a parlé dans l'épisode 12 des Sims 4 saison 3 avec mon cousin. La maison voilà que vous pouvez soit prendre dans la galerie avec sur mon compte, soit vous pouvez même la copier si vous avez la map de Vivre Ensemble, Dehors de Gloire. Non pas Vivre Ensemble, Dehors de Gloire. Voilà. J'ai aussi cette maison-là. Bon, celle-là, elle se trouve, en fait, justement, dans Chien et Chat, dans la ville de Chien et Chat. Je l'ai un peu modifiée, voilà. Mais bon, c'est si vous la voulez, quoi. Voilà, donc, les amis, du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo sur les Sims 4, saison 3, épisode spécial 2. Voilà, la prochaine fois, du coup, ce sera mercredi. Mercredi, il y aura l'épisode 11. Donc j'espère que vous serez nombreux. Donc allez, à plus, donc à mercredi, pour l'épisode 11. Et n'oubliez pas de vous abonner, et pouce bleu, et tout le tralala. Voilà, allez, à plus.